alors j'avais constaté que nous sommes dans l'échec. Donc nous devons, il faut qu'on s'efforce encore plus d'avoir la Bible, de le lire. Et quand tu lis la Bible, tu dois le mettre en pratique. Alléluia. Je crois que je peux parler en swahili. Jana walise tu jana nilibarikiwa wakati mhubiri alisema hivi. Alisema mu Kristo unakuwa sawa kwenye mamako, unakuwa sawa mu bebe. Bebe ana dependre kana maziba ya mamake. Na sie tuko watoto wa Mungu. Na pour que tu vivre, il faut tunakuwa na kula parole de Dieu. Yenye napatikana kandani ya Biblia na kuweza kuimetre a pratique parce que tunavivre seulement pour que tu plaire Mungu. Alléluia. Alors alisemaka ni impossible kupata un enfant de Dieu mwenye hawezi weza kui, mwenye anawezaka kuishi bila parole de Dieu. C'est ce qui m'avait béni hier. Amen, amen. Amen. Mimi na ulibarikiwa jana. Wangapi walibarikiwa? Biblia inasema nani njoo ashaongezeka huko. Paske tu unafundishiwa kukomaa na jana walituambia kama utabakia hapa gisi ulikuwa vinakuona. Mimi hauna dhura kubakia vile wala kutoka hapa gisi ulikuwa hapa jana. Siki kuko watu deja viko na fruit ya croissance deja. Dieu va me kikala patena sai. Alors tutainuka juu ili tumsifu Mungu, tumuchezee. Itakuwa kitu ya maana sana. Amen, amen. Nakusii sana. Mimi naona mtu kuna katalia kukiti. Utainuka kwa ajili ya utukufu wa Mungu et nous allons louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nataka nione watakatifu ambao wiko tayari kumusifu Bwana. Sijasema tuchape mikono, nataka nione watakatifu ambao wiko tayari kumusifu Bwana. Amen. Amen. Wapi shangwe vigelegele kwa ajili ya Bwana. Amen. Amen. Bwana ni yule jana leo hata milele, yeye asiyebadilika. Ni Bwana ambao tunamwimbia sasa. Twende pamoja. Amen. Amen. Wapi shangwe vigelegele kwa ajili ya Bwana. Cheza kidogo kwa ajili ya Jehova tu. Come on. Asiye badilika Yesu hawezi badilika lelile. Nimemupata asiye badilika Yesu hawezi badilika. Nimemupata asiye badilika. Huyu mtu ni Yesu, yeye atabaki kuwa Bwana. Nimemupata asiye badilika Yesu. Waongozi wa inchi wanaweza badilika, lakini huyo Yesu atabaki milele milele. Nimemupata asiye badilika Yesu hawezi badilika. Wazazi wangu hata wanaweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika lelile. Nimemupata asiye badilika Yesu hawezi badilika. Nimemupata asiye badilika. Huyu mtu ni Yesu, yeye asiye badilika. Nimemupata asiye badilika Yesu hawezi badilika. Nasema nimemupata asiye badilika. Ni Yesu, yeye atabaki kuwa Bwana. Nimemupata asiye badilika Yesu. Hallelujah. Oh asiye badilika Yesu. Sema oh asiye badilika Yesu pekee atabaki kuwa Bwana.
Kwanza tuombe Mungu taifa la Mungu. Tuache nafasi kwenye mikono ya Mungu. Afin qu'il nous parle encore. Ili atuzungumzie tena. Il parle encore nos cœurs. Aseme tena mioyo zetu. Prions peuple de Dieu. Tuombe taifa la Mungu.
Excellent Père de grâce, Père, je te bénis pour cette journée merveilleuse que tu nous as encore donnée, mon Père. Je te bénis, ô Dieu, parce que, Seigneur, tu avais préparé ce temps, ô Père. Nous serons ensemble avec toi, ô Père. Seigneur, pour parler encore nos cœurs, ô Dieu, afin que, ô Dieu, nous t'offrons ces gloires, ces sacrifices, ô Dieu, agréables, ô Père, par Jésus-Christ. Seigneur, je prie encore que tu prépares nos cœurs. Recevoir ta parole de vérité, ô Père. Ta parole qui délivre, ô Père. Ta parole qui bénit, ô Père. Ta parole qui restaure, ô Dieu. Seigneur, nous voulons plus être des petits enfants, ô Dieu, qui ne croissent pas, ô Dieu. Mais nous voulons croître, ô Père, et marcher vers cette statue parfaite de Christ, ô Père. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes encore là, ô Dieu. Seigneur, à tes pieds, ô Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs. Pour que tu nous instruises, ô Dieu, pour que tu nous montres le chemin, ô Seigneur, pour que nous restons, ô Père, dans tes voies, ô Dieu. Père, j'ai prié encore pour l'onction du Saint-Esprit, ô Dieu. Seigneur, brise le jour, ô Père. Seigneur, ô Papa, de la paresse, ô Dieu, de l'incrédulité, ô Dieu. Seigneur, oui, du manque de lecture de la parole de Dieu, ô Père, de tout ce qui éloigne tes enfants, ô Père. Seigneur, de la vie, ô Papa, de l'Esprit, ô Dieu, de la marche, Seigneur, ô Papa. Par l'Esprit, ô Dieu, afin que ton nom soit glorifié, ô Père. Ô Seigneur, oui Seigneur, que ô Papa, chaque vie, ô Père, soit transformée par ta parole, Seigneur, toi. La parole de Dieu, ô Dieu, ô Père, par lequel, ô Dieu, nous sommes sanctifiés, éclairés, bénis, ô Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. A toi soit la gloire, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Mnaweza mkaka taifa la Mungu. Alléluia. Amen. Non, les amens là sont très faibles. Les amens sont très faibles. Kusema amen yenu mbona iko chini sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dehors, les gens dans les boîtes de nuit, ils crient fort. Mnajua kwenye vilabu, watu wanapiga kelele sana. Alors, comme on est l'église de Dieu, nous aussi, on doit crier fort pour le Seigneur. Sisi ambao kanisa la Mungu, tunafaa kumsifu Mungu sana. Alléluia. Amen. Salut à vous, peuple de Dieu. Na wasalimu taifa la Mungu. Salut à vous, bien-aimés. Na wasalimu wapendwa. Nous vous bénissons de la part de Dieu, notre Père. Tunawabariki kwa njia ya Baba Mungu wetu. Par Jésus-Christ, le seul Seigneur. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, le seul sauveur, ambaye ni mwokozi wetu, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Aliye kuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, nous soit encore accordée à tous. Iweze kuwa juu ya wote. Lui le roi des rois. Maana ni mfalme wa falme. Lui le tout puissant. Yeye ni mwenye uwezo. L'alpha et l'oméga. Yeye ni alpha na omega. Celui qui nous a tiré des ténèbres à la lumière. Aliyetutoa ndani ya giza kutuleta katika nuru. Celui en qui tout et par qui et pour qui tout a été créé. Yeye ambaye kwa ajili yake, kwa yeye na kwa ajili na ndani yake vyote viliumbika. Le souverain des souverains. Yeye ni mjuu ya kila kitu. Nous remercions le Seigneur qui nous permet encore de partager aujourd'hui. Je me présente encore aujourd'hui. Peut-être des personnes qui n'étaient pas là hier. Moi je suis le frère Yannick. Yannick Njionku. Yannick Njionku. De mon nom de Butembo Kambale. C'est la deuxième fois que j'arrive ici. J'étais déjà ici en 2017. Je suis un esclave inutile du Seigneur. Mis à part par la volonté du Père. Pour enseigner le peuple de Dieu. Pour préparer le peuple de Dieu. À la rencontre du Seigneur. Et pour amener les chrétiens et les païens à l'obéissance par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai dit, je viens, je visite les orphelins, les prisonniers, les lépreux, tous ceux qui sont démunis. Gisi alisema ya kwamba anakuja anaangalia wale wayatima, wajane, wakoma na wale wasiojiweza.
en leur amenant aussi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle demeure éternellement, et c'est la véritable nourriture qui ne périt point et qui conduit jusqu'à l'éternité et qui rassasie vraiment. Alléluia. Amen. Donc j'espère que ce soir ninatumaini kwamba ujioni ya leo on va encore être bien rassasié, tutashiba tena vizuri, de la bonne nourriture na chakula kizuri hiki que le Père a préparé pour nous, ambaye baba ametutayarishia. Comme je l'ai dit hier, jinsi alivyosema jana, je laisse toujours la place aux questions réponses. Nitapenda niache nafasi kidogo kuhusu maswali ya kujibu na kuuliza, parce que ça fait partie même du thème que nous partageons, maana inahusika pia na gisi ya somo tunayohubiri, de la croissance spirituelle, kuhusu kukoma kiroho. Et on parle aussi de la maturité. Tunaongea pia kuhusu ukomavu. Les deux vont ensemble. Vitu viwili vinatembea pamoja. Pour devenir mature, ili mtu akue mkomavu, il faut grandir. Inafaa komae. Et les éléments qui te permettent de grandir, inachokusaidia kukomaa, c'est aussi la phase des questions-réponses. Ndio inafaa watu waulize zaidi. Parfois les gens n'aiment pas beaucoup les questions-réponses. Mara mingi watu hawataki kuuliza na kujibiwa. Mais moi j'aime beaucoup que les gens y posent des questions. Lakini mimi nataka sana watu waulize maswali pour avoir des réponses. Ili wapate majibu. Et tant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Kulingana na gisi hatuna muda sana. Je sais que je parle vite. Najua ninaongea sana na sana kabisa. Veuillez me pardonner. Mtanisamehe sana. Je vais faire l'effort de parler doucement. Nitajitahidi kusema polepole taratibu. Alléluia. Amen. Afin qu'on puisse suivre la parole du Seigneur. Ili tuweze sote kufuata neno la Mungu. Afin que vous puissiez préparer vos questions. Ili muweze kutayarisha pengine maswali. Je ne sais pas combien de temps on m'a donné. Sijui kama nimepewa muda gani papa. Mais j'ai prévu quand même environ 20 minutes. Lakini nimetayarisha dakika 20 pour répondre aux questions. Ili kujibu maswali. Je sais que vous êtes studieux. Je sais que vous êtes appliqué. Najua kwamba mmezoea. Je vois qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de notes. Ninaona jinsi watu wanavyoandika sana. Et je rends gloire à Dieu. Kwanza kwa hiyo namshukuru Mungu. Je vois qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de Bible. Naona jinsi watu sana leo wamekuja na Biblia. Et je rends gloire à Dieu. Namsifu Mungu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons commencé le soubassement hier. Maana jana tulianza kuhusu jambo la kwanza. Pour parler de la croissance spirituelle, on a dit que le Seigneur Jésus Christ a dit, Matthieu chapitre 4:4, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a compris que lui-même, ya kwamba ye mwenyewe, il s'est comporté comme ça. Alijifanya hivyo. Et on voit dans Luc chapitre 2, tunaona ndani ya Luka 2, qu'il a grandi. Alikoma. Et qu'il était soumis à son père et à sa mère. Na gisi alinyenyekea kwa baba yake na mama yake. Et on voit qu'à 12 ans, il savait déjà qu'il devait servir Dieu. Tuliona kwa miaka yake 12, alielewa kwamba anafaa kumtumikia Mungu. Ça l'empêchait pas d'être soumis. Haikumzuia kunyenyekea. Pourtant le père et la mère ne comprenaient même pas beaucoup son langage. Ingawa hata baba yake na mama yake hawakuelewa msemo wake. Ça l'a pas rendu rebelle. Haikumfanya kuwa mtu wa rebelle. Et on a vu par la suite. Na tukaelewa baadaye kwamba à cause de cela, kwa sababu ya hayo, qu'il est connecté au père, akajiunganisha na baba, il croissait en sagesse. Alikoma kwa hekima devant les hommes, mbele za watu, pas simplement devant les hommes, sio mbele ya watu tu, mais surtout devant Dieu, zaidi mbele za Mungu. On a fait comprendre que ces deux marques sont importantes. Tulielewa ya kwamba hizi vitu vili vya maana. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croître devant les hommes. Maana kuna watu wanaweza koma mbele za watu. C'est les hommes qui les fabriquent. Ni watu ndio wanawatengeneza. Mais Dieu ne les connaît pas. Lakini Mungu hawajui. Ils sont toujours des petits enfants devant Dieu. Wako tu wachanga mbele za Mungu. Ou ils n'ont jamais grandi devant Dieu. Pengine hawajakoma. Mais il faut grandir devant Dieu. Voilà pourquoi on a insisté sur la relation personnelle d'abord. Du chrétien avec Dieu. Pour grandir. Je rappelle un peu bien le soubassement pour continuer. On a compris donc que le serviteur de Dieu qui est autour de lui. Les frères et ceux qui sont autour de lui. Ils sont comme la mère et les frères de Jésus. Na ndugu za Yesu. Qui l'accompagne ambao anamshindikiza dans sa marche, ndani ya mwendo wake, parce que lui-même déjà il a une dépendance avec Dieu. Maana yeye mwenyewe ana dépendre tu na Mungu. C'est ça qui va permettre que sa croissance soit bonne. Na yeye ndio inaruhusu kwamba kukomaa kwake inakuwa vizuri. Parce que beaucoup se plaignent. Maana wengi wananungunika kwamba les serviteurs de Dieu, je watumishi wa Mungu, et beaucoup ont mis principalement
principalement leur croissance, na wengine wameweka kukomaa kwao, sur les responsables de l'assemblée. Juu ya wachungaji. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu ndio maana mtumishi wa Mungu a demandé hier que Meleki ont ramené leur Bible. Aliuliza jana ni nani alileta Biblia yake. Parce que c'est pas son travail de lire la Bible pour lui seulement. Maana sio jukumu la papa leo kuwasomea Biblia tu. Il a rappelé que les chrétiens, on devait être comme les chrétiens de Acte chapitre 17. Anarudisha kwa kukumbusha Kristo kwamba wanadumu kuwa wachanga. Qui vérifiait ce que Paul disait. Wachunguze kile ambacho Paulo alisema wala Beroya. Pour savoir ce qu'on les enseignait est exact. Ili kuelewa ya kwamba kile wanachofundishwa je ni kweli. C'est ça qui les a permis de croire à la parole de Paul. Hiyo ndio ilifaa wakakomaa ndani ya maneno ya Paul. C'est-à-dire de grandir. Wakakomaa. C'est-à-dire d'être éclairé. Wakafunuliwa wakaangaziwa. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant grandit, tunasema ya kwamba mtoto akikomaa, ses sens se développent. Vile njo anaendelea. Ça veut dire qu'il devient éclairé. Hisia zake zinafunguliwa na anaangaziwa. Il ne parlait pas auparavant. Hakui tena kama jana. Il commence à parler. Anaanza kuongea. Il ne comprenait pas ce qu'on disait. Hakukuwa naelewa jana yanaongelewa. Il commence à comprendre. Lakini sasa anaanza kuelewa. Il ne saisissait pas certaines marches. Hakukuwa naelewa kuweza kutembea jinsi nyingine. Certaines choses dans la maison. Na hakuwa naweza kuelewa mambo mengine nyumbani. Il commence à distinguer chaque chose. Lakini anaanza weza kutofautisha mambo. Parce qu'il est dans la croissance. Kwa sababu anakomaa. Dans la croissance ramène la lumière. Kwa hivyo kukomaa inaleta kuangaziwa. C'est par la lumière qu'on croit. Na katika mwangaza huu ndio unakomaa. Donc c'est impossible sans la parole de Dieu. Tulielewa kwamba huwezi komaa bila neno la Mungu. Mais en commençant déjà par ta propre vie. Maana kwa kuanzia ndani ya maisha yako kwanza. Ce n'est pas quelqu'un de croire à ta place. Maana hakuna mtu atakomaa kwa nafasi yako. Ce n'est pas quelqu'un de porter ta Bible pour venir ici là toi tu n'as pas de Bible et il lit la Bible à ta place. Haiko mtu mwingine atachukua Biblia kwa nafasi yako ili kuja hapa. Et que c'est comme ça que tu vas grandir. Na hivyo ndivyo utakavyokomaa. C'est comme ça que tu vas progresser. Hivyo ndivyo utakavyoendelea. En étant fondé dans la parole. Katika kujengwa ndani ya neno. Pour connaître Jésus-Christ de Nazareth. Ili mjue Yesu Kristo wa Nazareth. Et suivre le modèle qu'il a laissé. Na kufuata nyayo alizoziacha. J'ai expliqué donc. Jana nilieleza kwamba. Que la soumission était très importante. Tukaelewa kwamba kunyenyekea ni jambo la maana. Et que cette soumission passait d'abord par la parole. Na kunyenyekea inatoka ndani neno. De reconnaître que le Seigneur c'est lui qui te conduit. Unaelewa kwamba ni Bwana atakayekuongoza. Et que tu dois aller doucement dans ta marche. Na kwamba unafaa kutembea polepole katika mwendo wako. Un des problèmes dont de croissance. Mojawapo ya shida za kutokukomaa. Les gens veulent tout savoir. Wote watu wanataka kupata yote. En un seul instant. Kwa dakika moja. Une fois que tu as compris que tu ne peux pas te passer de la parole, tu dois aller tout le temps. Wakati ambapo taelewa kwamba haufai kuchukua neno la Mungu kila wakati. Tu ne dois pas être pressé de vouloir tout savoir. Hautakuwa na haraka ya kutaka ujue yote. C'est impossible. Ni ngumu sana. C'est impossible. Ni vigumu kabisa. Beaucoup de problèmes qu'on a aussi dans l'assemblée. Shida nyingi ambazo tuko nazo kwenye makundi zetu. C'est aussi dû à ça. Inatokana na hayo pia. Quand les gens lisent la parole, wakati wanaposoma Biblia watu, ils veulent absolument comprendre tout là présentement. Anapenda elewe yote kwa dakika hiyo. Ça n'a pas de sens. Aina maana hiyo. Un enfant, il ne peut pas du jour au lendemain comprendre tout. Mtu haizi weza kujua yote kwa dakika moja. Et j'expliquais donc qu'il faut la patience. Ndio nikaeleza kwamba inafaa kuwa na uvumilivu. Pour bien grandir. Ili uweze kukomaa. Pour être bien fort. Ili uweze kuwa na nguvu. Hallelujah. Amen. Donc lorsqu'on lit la parole, wakati unaposoma neno, même s'il y a des points que tu ne comprends pas, hata kama kuna mambo usiyaelewa, tu dois rendre gloire à Dieu. Unaweza kumtukuza Mungu. Même s'il y a des points que les serviteurs de Dieu disent que tu ne comprends pas, hata kama kuna mambo ambayo watumishi wa Mungu wanaonyesha kidogo, tu ne dois pas forcer pour comprendre tout là. Unafaa kuelewa jinsi unafaa kuyaelewa zaidi. Il y a beaucoup de chrétiens. Kuna wakristo wengi. Qui ont pas ce témoignage devant le Seigneur. C'est pourquoi parfois, certains abandonnent la lecture de la parole. Wengine wanaacha kusoma Biblia. Je rencontre des chrétiens ndio maana wakristo wengi qui me posent parfois beaucoup de questions. Wananiuliza maswali kama hayo. Et quand je leur réponds, wakati napowajibu, ils me demandent, mais comment toi tu fais pour comprendre ça? Wanasema, ulifanyaje ili uweze kuyaelewa maneno hayo? Je dis que, hormis le fait que je suis appelé à parler du Seigneur, au-delà du fait que je dois parler de Jésus, instruire les voies du Seigneur, expliquer les mystères de Dieu, je suis d'abord un chrétien. Et je sais que ça c'est la parole de Dieu. Et que ce n'est pas un jour que je peux la comprendre. Mais toi, lakini wewe, tu me poses les questions. Unaniuliza maswali. Pas parce que tu ne comprends pas tout à fait. Sio kwa sababu tu hauelewe. Parce que tu as abandonné la lecture de la Bible. Shida ni kwamba uliacha kusoma Biblia. En te disant que c'est trop compliqué. Kwa kuelewa ya kwamba ni vigumu kuyaelewa. Oh, ta vie chrétienne. Ingawa maisha yako ya Ukristo. Ne peut pas seulement dépendre. Haiwezi kuwa tu. De responsables qui t'enseignent. Juu ya wachungaji wanaokufundisha. Il y a un moment tu es seul. Mara mingi unakuwa peke yako. Où tu dois être capable de dire comme le Seigneur face au diable.
où tu dois être capable de dire comme le Seigneur face au diable, face aux démons, face à ceux qui veulent t'amener dans le péché, face à ceux qui veulent t'éloigner de la voie de Dieu, qu'il est écrit face aux faux prophètes, à tous les charlatans qu'on a aujourd'hui, qu'il est écrit. Tu veux m'amener où? Wapi? Tu n'auras pas le temps d'appeler le pasteur. Na muda tu ya kupigia mchungaji. Pasteur, il y a quelqu'un qui me pose une question ici là. Kwa sababu kuna mtu anakuuliza swali. Il y a quelqu'un qui veut que je fasse telle chose. Una mtu ananiambia nifanye tendo jambo. Est-ce que la Bible dit même ça? Je, Biblia inasema hayo. Tu seras confronté aux situations. Utakuwa na mambo yako mbele yako. Tu vas devoir prendre des décisions. Ambao mwenyewe unaweza kuchukua uamuzi. Mais tu ne peux pas prendre des décisions si tu ne grandis pas. Wewe unaweza kuchukua maamuzi bila kukomaa. Si tu ne deviens pas mature. Kama utakuwa na mkomavu. Tu seras toujours un bébé ballotté à tout vent de doctrine. Utakuwa mchanga naenda na kila hali. Donc ne te presse pas à comprendre tout. Kwa hivi siku patie haraka ya kuelewa yote. Prends déjà le temps de lire la parole chaque jour et rends grâce à Dieu. Wakati utakuwa na nafasi ya kusoma neno la Mungu kila wakati utamshukuru Mungu. Dieu va se charger de t'expliquer la parole petit à petit. Mungu itakuwa ni jukumu yake ya kukuelewesha pole pole. Et t'ouvrir l'intelligence. Na kufungua akili zako. Ne fais pas la concurrence. Usifanye mambo ya kushindana. Sinon tu vas être comme les Corinthiens. Pasipo hiyo utakuwa kama wa Korinto. Le problème de croissance qu'il y a chez les Corinthiens, shida ya Wakorinto kwa kukomaa, qui sont encore des petits enfants, walikuwa bado ni wachanga, et qui refusent de grandir, na wanakataa kukomaa, il y avait la querelle parmi eux. Kulikuwa shida ya kupigana kati yao. Savoir qui est de Paul, qui est d'Apollos, qui est de Pierre. Kujua ni nani wa Paulo na nani wa Paul wa Apollo na nani wa Petro. Donc quand ils lisaient les Écritures, wakati waliposoma maandiko, c'était uniquement pour faire les clashs entre eux. Walikuwa nasoma ili waangalie ni nani atakuwa wa nani. Et du coup, ils étaient toujours charnels. Na kwa hiyo wakawa tu bado ni watu wa kimwili. Un charnel ne grandit pas. Mtu wa kimwili hakomai. Il est toujours un bébé. Yeye ni mchanga tu. À qui faut toujours tout donner. Ambaye anafaa tu kupewa yote. Qui ne peut rien faire. Na hawezi chochote. Parce qu'il ne progresse pas. Kwa sababu haendelei. Donc même quand les chrétiens ne lisent pas la Bible, hata kama mkristo asiposoma Biblia, il y a un problème. Kuna shida kubwa. Et ceux même qui parviennent à lire la Bible, na wale ambao wanasoma Biblia, ils lisent pas pour chercher la volonté du lakini Seigneur. Lakini shida ni hasomi ili kutafuta mapenzi ya Mungu. Dans sa marche. Ndani ya mwendo wake. Pour marcher dans la simplicité. Ili kutembea ndani ya unyenyekevu. Jésus-Christ nous demande d'être simple. Yesu Kristo anatuomba kuwa wanyenyekevu. Simple comme des colombes. Wanyenyekevu kabisa wapole kama njiwa. Et prudent comme des serpents. Na werevu kama nyoka. Vous savez quand moi j'ai cru, moi je suis né dans une famille protestante évangélique. Je suis venu dans une famille évangélique. Donc moi je lis la Bible depuis l'âge de 6 ans. Yani alianza soma Biblia akiwa na miaka 6. Comme j'allais un peu bien à l'école. Alianza kwenda shule. Et j'aimais beaucoup la lecture. Alikuwa anapenda kusoma. Je lisais beaucoup la Bible. Kwa anasoma Biblia sana. J'avais lu la Bible dans tous les sens. Anasoma Biblia kwa njia zote. Mais je connaissais pas encore ce que c'est que la nouvelle naissance, bien évidemment. Lakini hakuwa anajua kuzaliwa mara ya pili. Quand j'ai commencé à atteindre l'âge de 14 ans. Wakati alipoanza kufika miaka 14. J'ai commencé à faire n'importe quoi comme les jeunes aussi font n'importe quoi. Akaanza fanya mambo tu ya vijana. Quand je me suis converti au Seigneur. Alipookoka. C'est comme si je n'avais jamais lu la Bible. Ikawa ni kama sijawahi soma Biblia. Je me suis rendu compte que la connaissance que j'avais de la Bible, nikaelewa kwamba mambo niliyokuwa nayo kuhusu Biblia, était extrêmement limitée. Ilikuwa kabisa na mpaka. Alors un jour je prends le livre d'Hébreux. Na kuna siku akachukua kitabu cha Waebrania. Avant une veillée de prière. Kabla ya kuingia kwa maombi. Comme je lisais beaucoup les Écritures. Jinsi alikuwa anasoma Biblia sana. Je connaissais certaines choses dans les Écritures bien évidemment. Nilikuwa kweli nilikuwa najua mambo fulani ndani ya Biblia. J'ai lu le livre d'Hébreux. Alisoma Biblia ya kitabu cha Waebrania. Tout d'un coup. Mara moja tu. Quand j'ai fini le livre d'Hébreux, aliposoma Biblia ya Ibrania, kitabu cha Ibrania, je n'ai rien compris. Hakuelewa chochote ndani. Mais c'est pas possible. Akasema mbona ni vigumu. Sasa quel livre ça? Hii ni kitabu ya aina gani? Comment je peux lire tout ça? Namna gani naweza soma hizi zote? Bon, tu peux comprendre des petits brides, des petits points. Ndio unaelewa tu mambo fulani pale. Mais généralement, je n'ai rien compris. Lakini kwa yote hakuelewa chochote. J'ai relu encore. Akasoma tena wa Ibrania. Ce même soir là. Jioni hiyo hiyo. Une deuxième fois. Mara ya pili. J'ai lu tout. Akasoma yote. Après la deuxième lecture, lakini baada ya kusoma ya pili, je n'ai toujours rien compris. Bado hakusikia chochote. Je n'ai pas augmenté même d'un seul iota. Hakuweza kushika hata pointi moja. Vous savez ce que j'ai fait? Mnajua nilifanya nini? J'ai fermé la Bible. Kafunga Biblia. J'ai rendu grâce à Dieu. Kamshukuru Mungu. Et que Seigneur, c'est ta parole. Kasema Bwana ni neno lako. Le moment que tu voudrais que je comprenne certaines choses. Gisi hutaki nielewe mambo fulani. Tu vas m'éclairer. Utaniangazia. Hallelujah. Amen. Et au fur et à mesure quand j'écoutais des enseignements à l'assemblée. Pole pole jinsi ndivyoenda kusikiliza maneno ya Mungu. Certains passages que j'avais lus. Yale ambayo nilikuwa nayasoma. Revenaient dans mon esprit. Ilikuwa nakuja kwenye moyo wangu. Et la lumière du Saint-Esprit. Na mwangaza wa Roho. Me permettait de comprendre certaines choses. Ikaniruhusu kuelewa mambo fulani. Certains
passages que je lisais chez moi, d'autres passages dans la Bible. Dans ma lecture simple, parce que je voulais connaître le Seigneur. Mon désir était connaître seulement le Seigneur. Parce que j'avais tellement persécuté l'église que je voulais connaître Jésus-Christ. J'avais tellement persécuté que je voulais comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand je lisais certains autres passages, la lumière sur ce que j'avais lu dans ma lecture personnelle sur les Hébreux commençait à venir au fur et à mesure, et je rendais gloire à Dieu. Vous voyez que ma croissance s'est faite parce que j'ai lu, même si je ne comprenais pas. Rendant grâce au Seigneur. Et aussi du fait que j'étais enseigné. Et comme je lisais beaucoup l'écriture, ça me permettait de comprendre même ce qu'on disait avec des choses que j'avais lues. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas dans la guerre des versets bibliques. Ne lisez pas la parole de Dieu pour combattre les responsables. Ne lisez pas la parole de Dieu pour vous comparer. Pour voir qui est la meilleure connaissance. C'est exactement le piège des Corinthiens. Je vous ai dit que Jésus-Christ était soumis à son père et à sa mère biologique. Pourtant, à 12 ans, vous me cherchez pourquoi? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Ils n'ont rien compris du tout. Il avait connaissance exceptionnelle. Mais il était soumis. Il ne s'est pas rébellé. Jésus-Christ est né avec les pharisiens. Il avait un grand témoignage parmi eux. Jusqu'à ce que le temps arrive que le Père le mette à part. Et les 30 ans de Jésus sont une figure de la maturité. Mais ça, c'est pour le ministère. Sont une figure de la maturité pour être mise à part dans l'œuvre de Dieu. Et quand il enseignait, que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Le serviteur de Dieu, je vais essayer d'aller doucement. Désolé. Amen. Mon français, je sais que je parle vite. Pardonnez-moi. Ok. Donc, quand il enseignait, il était reconnu par tous parce qu'il était un exemple de soumission. Vous et moi, on suit le Seigneur parce qu'il est un modèle. Il s'est rabaissé. En s'est rabaissant, il nous a montré le chemin. Le chemin de la croissance, c'est comme Christ. Il est descendu du ciel. Il est Dieu qui s'est fait chair. Il a marché avec les hommes. Après, il était élevé à la gloire. Comme toi et moi. On marche avec le Seigneur. Plus on le connaît, plus on grandit, on ressemble au Seigneur. Et on produit les mêmes produits que lui. S'il avait été soumis à son père et à sa mère à 12 ans alors qu'il connaissait, il n'y a plus qu'eux. Pourquoi toi tu n'es pas soumis? Pourquoi la connaissance t'enfle? Tu te comportes comme les Corinthiens qui allaient jusqu'à mépriser Paul. Les éléments font dans les lettres. On ne sait pas ce qu'il fait. Au point, il comparait les gens dans l'église. Et les chrétiens charnels qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Comme on ne grandit pas, comme on ne grandit pas bien, on est en train de faire les serviteurs de Dieu se cogner les têtes. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aussi sont parfois immatures. Kwa hiyo hata watumishi wengi wa Mungu wako wachanga. Sur certains points. Juu ya mambo fulani. Parce qu'ils n'ont pas achevé le travail que le Seigneur attendait sur eux. Kwa sababu hawajamaliza kazi ambayo Mungu alikuwa anangoja kwao. Ils rentrent dans ce piège de se faire des guerres bizarres. Na wanaingia ndani ya hatari ya kuanza kwenye mabishano sio ya maana. Et ça encourage la division dans l'église. Na inaleta kuleta matengano kanisani. Paul a fédéré ses chrétiens. Paulo alileta watu wa Kristo hao. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 2, il parle de ça. Ndani wa Korinto 3 principalement.
Donc, il dit que qui est Paul, qui est Pierre, qui est Apollos. Paolo nani, Petro nani, Apollo ni nani. Il avait une grande maturité. Alikuwa na ukomavu wa kweli. Il pouvait amener ses chrétiens aliweza kuleta wa Kristo hao à considérer ce qui est l'essentiel de l'évangile. Kuchukua kile kilicho cha maana ndani ya injili. En attendant que Dieu les éclaire sur des choses difficiles. Katika kusubiri kwamba Mungu aeleweshe mambo magumu ndani ya maandiko. Pourquoi tu es dans ta marche quand tu commences à lire la Bible? Ndio maana sema katika mwendo wako ukianza soma Biblia. Recherche d'abord Jésus-Christ, cette simplicité. Tafuta kwanza ndani Yesu Kristo ndani ya unyenyekevu ule. C'est lui le modèle. Maana yeye ndiye mfano. Ça ne va pas te rendre orgueilleux. Haitakupatia kuwa na kiburi. Parce que l'orgueil est aussi quelque chose qui empêche de se soumettre et quelque chose que Dieu déteste. Maana kiburi kinafanya mtu aweze kushindwa kufanya kile ambacho Mungu anataka na kile anachokichukia. La soumission comme si c'est dans tous les sens. Tunasema unyenyekevu uko ndani ya kila kitu. La soumission envers les frères. Kuna unyenyekevu mbele ya ndugu zako. La soumission avec aussi ceux qui apportent la parole. Kuna unyenyekevu mbele ya wahubiri. Les responsables. Mbele ya wachungaji. La soumission aussi, ça ne veut pas dire que tu vas t'amener, on va t'amener dans la compromission. Na sio kwamba pia kunyenyekea itafanya wakulete ndani ya michanganyiko. Un responsable assemblée peut t'amener à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mchungaji hawezi kuleta ndani ya mambo ya ambayo mtukuze Mungu. Donc la soumission ici ce n'est pas être quelqu'un qu'on entraîne dans n'importe quoi. Kunyenyekea sio kukua na kubalia kila kitu ambacho hakina maana. C'est le respect. Lakini ni heshima. Chacun kila mtu ana nafasi yake. Même si tu connais trop. Hata kama unajua yote. Hallelujah. Amen. Regardez un exemple. On va lire Samuel. Tutaangalia mfano moja ndani ya kitabu cha Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Samuel wa kwanza sura ya pili. Voilà un bon exemple. Hii ni mfano mzuri. De soumission. Ya unyenyekevu. Lorsqu'il y a le désordre. Wakati kuna shida ya kuchanganyikiwa. Et comme je vous ai dit. Gisi nilivyowaambia. Que la première marche d'un enfant de Dieu, kutembea kwanza ya mtoto wa Mungu, pour qu'il grandisse, ili akomae, c'est cette relation qu'il a avec le Père. Ni ile uhusiano alionayo mbele ya baba. J'ai dit, ça ne va pas dépendre d'abord des gens autour. Tunasema haijalishi wale walio pembeni yako. Quand ça dépend des gens autour, wakati unaanza angalia wale walio kwenye mazingira yako, c'est parce que la personne en elle-même n'a pas aussi une grande connexion avec Dieu. Ni kwa sababu ya uhusiano wako na Mungu haiko sawa. Ça, c'est aussi un problème, ça on le sait. Hiyo basi pia ni shida. Mais le véritable problème d'abord, lakini kwanza shida ya kwanza, ce n'est pas les serviteurs. Haiko watumishi. C'est d'abord le disciple. Ni kwanza wanafunzi. Voilà quelqu'un qui était dans les écritures. Ndio maana mtu aliyekuwa ndani ya maandiko. Que vous connaissez très bien. Una ambaye mnamjua vizuri. Samuel. Samueli. Il a grandi, il a été consacré par sa maman dans, au Seigneur. Alitolewa na mama yake kwa Bwana. C'est pourquoi il dit que la connexion avec la parole de Dieu, ça doit vous conduire à la consécration avec Dieu. Tulisema ya kwamba uhusiano wako na Mungu lazima ikupatie kujitoa kwa Mungu. Ce n'est pas pour juste faire plaisir. Sio kwa kufurahisha tu. Comme Dieu a dit qu'il faut lire la Bible tous les matins, je lis aussi juste pour lire. Gisi wengine wanasema kusoma Biblia kila asubuhi, wanasoma tu kwa kusoma. Ça c'est le religieux. Hii ni kama kidini. Tu n'apprendras rien. Hautashika kitu. Tu ne progresseras pas. Le but c'est que tu rentres dans les choses que le Seigneur a prévues pour toi. Lengo ni kuingia katika mambo ambayo Mungu ameyatarisha kwa ajili yako. Le but c'est que tu accomplisses les desseins de Dieu dans ta vie. Lengo ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu maishani mwako. C'est pourquoi on parle de grandir. Ndio maana wanazungumzia kuhusu kukomaa. Comme nous avons dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, ils vont faire une seule chair. Gisi tulisema ya kwamba mume ataacha baba na mama yake na ataungana na mkewe na watakuwa kitu mwili mmoja. Donc le but qui grandit, qui devient un homme tu sais qu'il doit un moment quitter la maison familiale. Kwa hivyo lengo la kukomaa ni kukua mtu ambaye amekuwa mtu mkubwa ili aweze kutoka ndani ya familia yake. Donc toi et moi, le but qu'on grandit, qu'on doit grandir, c'est comme on devient mature, on peut rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Kwa hivyo inamaanisha kwamba lengo la Mungu kutusaidia kukomaa ni ili tuweze kutoka na tuingie ndani ya kile ambacho Mungu ametayarisha kwa ajili yetu. Parce que l'Écriture nous dit que aussi longtemps c'est dans Galates chapitre 4 que aussi longtemps que l'enfant l'héritier est un enfant. Maana Biblia inasema ya kwamba ndani ya Wagalatia ni kwamba mrithi akiwa bado mchanga ile anko en rien bon il n'a rien différent d'un esclave. Hana utofauti kabisa na mtumwa. Il va gaspiller les biens de son père. Atapoteza mazuri yote ya baba yake. Yona l'exemple avec le fils prodigue. Na tunaona hata mwana mpotevu. Il n'est pas encore mature. Hajakomaa vizuri. Il n'a pas encore grandi comme il faut. Hajakomaa jinsi inavyofaa. Mais comme il connaît déjà certaines choses dans la maison. Lakini kwa sababu amejua mambo fulani ndani ya nyumba. Il a la révélation qu'il a l'héritage. Ana ufunuo kwamba ako na parce qu'il ne peut pas demander l'héritage s'il n'a pas la révélation. Mais il n'est pas encore mature pour savoir gérer l'héritage. Mais par orgueil, il demande l'héritage au Père. Et il le bousille.
Mais comme Dieu est amour, gloire soit rendue à Dieu. Oh, gloire, Mungu. On peut revenir encore auprès de lui. Tena et on yake. Continue notre croissance. Na tena na kunye, jusqu'à ce qu'on soit déjà préparé pour accomplir ce qu'il nous demande. Ili donc j'ai dit dans Galates chapitre 4, tusema katika wa Galatia, on dit qu'aussi longtemps que mrithi akiwa bado mtoto hakuna tofauti kati yake na mtumwa. Comme il veut. Anapoteza mambo jinsi anavyotaka. C'est celui qui ne grandit pas. Ni huyo ambaye asiye comme je disais, quand tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu ne prends pas le temps d'avoir cette parole, d'être dans la prière, ndani ya maombi, tu gaspilles. Unapoteza. Ça, c'est un grand bien. Hii ni jambo nzuri. Parce que ça, j'ai dit, c'est la bouche de Dieu. Nasema hii ni kinywa cha Mungu. Quand on la ferme, wakati tunapoifunga, on dit Seigneur, tais-toi. Ni kama kumwambia Mungu nyamaza. Donc c'est un énorme bien. Hii ni jambo nzuri sana. Qu'il faut profiter au quotidien. Ambaye nafasi sana kuichukulia nafasi kwa. Comme on parle, comme je vous ai parlé hier du lait maternel. Gisi niwaambia jana kuhusu maziwa ya mama. Donc ton enfant ne peut pas se passer. Ambayo un petit bébé ne peut pas se passer du lait. Ambaye mtoto hawezi penda aende mbali na hiyo maziwa. Qui lui permet de grandir. Inamsaidia kukomaa. Jusqu'à ce qu'il ait les dents. Mpaka akuwe na meno. Pour commencer à manger d'autres choses plus solides. Ili aanze kula mambo magumu zingine. Mais ce n'est pas lui qui décide. Lakini haiko yeye ndiye atamua. C'est la mère qui décide de se vrai. C'est la maman qui décide de le sevrer. Ni mama ndiye anaamua kumwachisha. Comme le Seigneur voit notre progression, gisi Mungu anavyoangalia kuendelea kwetu, il commence à nous donner la nourriture solide. Anaanza kutupatia chakula kigumu. Et on ne fait pas comme le fils prodige. Hatufanyi kama watoto wa mwana mpotevu. Maana mwana mpotevu. Pour commencer à demander nous-mêmes les biens. Ili alianza kujiombea kile anachotaka. Ili gaspiller. Ili aende kipoteza. Le comportement. Hii ni tabia na ya Wakorinto walio kimwili. Alléluia. Amen. Voilà 1 Samuel chapitre 2. Samuel wa kwanza sura ya pili. On va lire le verset 21. Tutasoma mstari wa 21, mstari wa 21. Non, avant on va lire la partie verset 18 au verset 21. Tutaanza mstari wa 18 mpaka wa 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. Ils s'en retournaient chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Tu peux lire? Samuel wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18 nasema, lakini Samuel alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana aliyevaa naivera ya kitani. Tena mamae alimshonea kanzu ndogo na kumletea kila mwaka hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elkana na mkewe akasema, Bwana akupe uzao kwa mwanamke huyu, wachukue mahali pa yule aliyemtoa kwa Bwana. Kisha wakarudi nyumbani kwao. Naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto watatu wa kiume na wawili wa kike. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. On dit que Samuel faisait le service et il grandissait devant l'Éternel. Wanasema Samuel alikuwa anafanya kazi na alikomaa mbele za Bwana. Il était auprès d'Eli. Alikuwa mbele ya Elia. Le même Eli avait 2 fils. Ule Eli alikuwa na watoto wawili. Souvent le sacrificateur Eli. Ambao ni kuhani mkuu Eli. Il avait 2 fils. Alikuwa na watoto wawili. Qui étaient aussi des voyous. Walikuwa wajinga kabisa. Qui servait Dieu n'importe comment. Walikuwa natumikia Mungu jinsi wanavyotaka. Vous voyez que Samuel avait un comportement différent. Munaona Samuel alikuwa na tabia tofauti. Mais lui grandissait. Lakini alikuwa akikomaa. Il était soumis. Alikuwa mnyenyekevu. Il ne regardait pas les autres qui faisaient n'importe quoi. Hakukuwa anaangalia wale watoto wengine wajinga. Il ne se concentrait pas sur ce qu'il faisait. Hakukuwa anaangalia ile ambao waliokuwa nafanya. Il se concentrait sur ce que le Seigneur lui demandait de faire. Alikuwa sana kuangalia kile ambacho Mungu anamwomba kufanya. L'Écriture précise. Na Biblia inahakikisha pale kwamba. Il ne grandissait pas devant les hommes. Gisi hakukuwa anakomaa mbele za watu. Il grandissait devant l'Éternel. Ça c'est 2 choses bien différentes. Alikuwa anakomaa mbele za Mungu. Hizi ni vitu viwili tofauti. C'est pourquoi il dit qu'on peut grandir devant les hommes. Ndio maana nikasema kwamba unaweza komaa mbele za watu. Grandit pas devant Dieu. Lakini na hauko na komaa mbele za Mungu. Les hommes vous applaudissent. Wanadamu wanaweza kupigia mikono. Les hommes disent, ah vraiment toi tu es bien. Wanadamu wanaweza kuambia ah haki wako sawa. Mais quand Dieu lui te voit, lakini Mungu anapokutazama, il voit un nain spirituel.
Il voit un nain spirituel, quelqu'un qui ne grandit pas. Anangalia mtu mwenye akoma like kiroho. On le voit avec Apocalypse chapitre 3. Ukisoma Ufunuo sura ya 3. À partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. L'église de Sardes. Kuna kanisa la Sardi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Bwana akamwambia nini? Bon, il faut que j'égale le temps là parce que. Naomba nichukue. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à l'église de Sardes? Bwana akamwambia nini? Akamwambia ni kanisa la Sardi. On peut le lire même vite. Tunaweza soma haraka. L'église de Sardes. Kanisa la Sardi. A la réputation. Iko na ushuhuda. D'être vivante. Ya kuonekana kama wanaishi. Donc devant les hommes, mbele za watu, elle semble être vivante. Wanaonekana kama wako sawa. Mais devant Dieu, lakini mbele ya Mungu, elle est morte. C'est-à-dire qu'elle produit des œuvres mortes. Yani wanazaa matunda yaliyokufa. Pour mieux dire, on va lire Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 1. Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Andika kwa kanisa lilo Sardi. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Tazama anayesema aliye na roho saba za Mungu. Et les sept étoiles. Na zile nyota saba. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Tu as le renom d'être vivant mais tu es mort. Una jina ya kuwa hai nawe umekufa. Il dit je connais tes œuvres. Anasema najua matendo yako. Tu as la réputation. Uko na ushuhuda d'être vivant ya kuwa uko hai, mais tu es mort. Lakini umekufa. Voilà pourquoi on a dit qu'au-delà ici d'être ensemble, faire comme voilà qu'on sait Dieu. Nasema mbali na kwanza kukua pamoja katika hali ya kumtumikia Mungu. Ça ne doit pas être devant les hommes qu'on voit qu'on grandit. Isikuwe ni mbele za watu kuona kama tunakomaa. Parce que l'homme peut se tromper. Maana mtu anaweza kujidanganya. On doit grandir d'abord devant Dieu. Inafaa kukomaa kwanza mbele za Mungu. Et ce point est très important. Na hili jambo ndio la maana sana. C'est ce que nous parlons de la connexion que Samuel avait avec Dieu. Hapo ndio tunazungumzia kuhusu ile uhusiano aliyokuwa na Samuel mbele za Mungu. Regardez ce qui est dit dans cette même église. Lakini tuangalie kwenye hiyo kanisa inasemeka nini. Parmi cette église dont le Seigneur dit que tu as la réputation des vivants alors que tu es morte. Kwa hiyo kanisa ambapo Mungu anawaonesha kwamba wana ushuhuda tu ya kuwa hai na wamekufa. Donc tout le monde t'apprécie à Butembo. Tout le monde t'apprécie. Kila mtu anakufurahia hapa Butembo. Tout le monde dit que tu es vraiment un frère. Un frère formidable. Kila mtu anakuambia uko ndugu aliyekamilishwa. Un véritable serviteur de Dieu. Ule mtu mishi umekamilika. Mais Dieu lui voit que non, tu ne grandis pas devant moi. Pengine Mungu anaona hata hujakomaa mbele yake. Tu es encore un bébé. Ungali bado mchanga. Ça veut dire que les gens là qui te disent ça, ils peuvent se tromper. Yaani inamaanisha kwamba wale wanaokuambia wanaweza kujidanganya. Donc c'est important d'avoir le témoignage de Dieu. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na shuhuda za Mungu. Parce que tôt ou tard il va manifester tes œuvres. Maana watajua baadaye matendo yako. Tes vraies œuvres. Matendo yako yale mazuri. On va voir que tu ne grandissais pas vraiment devant na le Seigneur. Na watajua watakuja kutambua kwamba hata je veux raconter une histoire. Nataka niwaambie historia moja. Une sœur vient une fois dans notre assemblée. Kuna dada moja kaja pale kwenye akakuja kwenye hiyo. Dans une des assemblées. Kanisa letu. Précisément à l'église de Bâle. Zaidi kwa kanisa lao la Bâle. Alors un des pasteurs. Moja wapo ya wachungaji. Qui travaille avec qui on travaille. Ambao wanatumika naye. À l'occurrence le pasteur Hilaire. À l'occurrence le pasteur Hilaire. Zaidi anaitwa mchungaji Hilaire. La sœur vient le voir. Ule dada akuja kumuona. Elle dit mais moi je ne comprends pas. Akasema mimi sielewi. Dans cette église ici. Ndani ya kanisa. Chaque fois il y a toujours des petites choses qu'on me redit que je ne fais pas bien de certains trucs. Kuna mambo tu ananiambia kwamba ni rekebishe. Pourtant quand j'étais dans mon église à Paris. Pengine mimi akiwa kule Paris. Tout le monde m'appréciait. Kila mtu alikuwa anamfurahia. Tout le monde vraiment ne trouvait rien de mauvais dans ce que je faisais. Kila mtu alikuwa ananipata niko sawa kwa kitu yoyote. Le serviteur Dieu l'a dit. Lakini mtumishi anaposema. Mais nous ne sommes pas à Paris ici. Anasema hapa hatuko Paris. Nous sommes ici dans une autre ville. Tuko ndani ya mji mwingine. En Suisse. Tuko Suisse. Et nous on fait selon la parole de Dieu. Si tunafanya sawa na neno la Mungu. Quand on voit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Si tukiona chenye hakiko ndani ya neno. On interpelle la brebis parce que c'est pour l'aider à grandir. Tunakumbusha hii kondoo ya Mungu ili komae vizuri. C'est pourquoi beaucoup de gens ne grandissent pas. Parce qu'ils veulent la faveur des hommes. Parce qu'ils veulent qu'on l'acclame. Alors que dans sa vie, ça ne va pas du tout. Il est très éloigné de Dieu. Et lorsque Dieu permet que quelqu'un se rapproche vraiment pour voir que ce qu'il a là, c'est l'apparence. Na wakati Mungu anaruhusu mtu aingie aone uinje ambayo iko nayo. Pour l'aider à passer un cap de croissance. Ili amsaidie kukomaa. Il refuse. Anakataa. Il veut s'appuyer sur le témoignage des hommes. Anapenda tu yashikamane na ushuhuda za wanadamu. Le témoignage des hommes n'est valable uniquement si. Ushuhuda za wanadamu ziko sawa tu kama. Si le témoignage de Dieu est déjà là. Kama ushuhuda wa Mungu inakubaliana naye. Hallelujah. Amen. Je répète encore, le témoignage des hommes n'est valable uniquement si. Nasema ushuhuda za wanadamu ziko sawa kama tu. Le témoignage de Dieu est présent.
kama pia ushuda wa Mungu iko iko pale. Parce que les hommes peuvent te rejeter. Maana wanadamu wanaweza kukutupa. Mais Dieu lui t'accepte. Alléluia. Lakini Mungu anakukubali. Amen. Jésus qui s'est rejeté. Yesu Kristo alitupwa. Mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du lakini monde. Lakini yeye ndiye kondoo wa Mungu aitoshaye dhambi za ulimwengu. Donc il faut pas d'abord, pourquoi j'ai parlé de grandir d'abord devant Dieu. Ndio maana nimesema koma kwanza mbele ya Mungu. Et tôt ou tard même si les gens te rejettent. Na hata wakati takapopita watu wakikutupa. On ne peut résister à la lumière divine. Hawawezi kupingana na mwangaza wa mbinguni. On ne peut résister à la puissance de Dieu. Hawezi kupingana na uwezo wa Mungu. Voilà pourquoi Pierre bien aimé dans le Seigneur. Kwa maana Petro ewa Petro. Quand il avait compris, il a grandi par l'esprit. Alipoelewa akakoma katika roho. Il dit que qui est-ce qui peut nous empêcher de parler du Seigneur? Akasema ni nani anaweza kutuzuia kusema maneno ya Mungu? Doit-on obéir aux hommes ou doit-on obéir à Dieu? Je waheshimu wanadamu na tumwache Mungu. Et il était prêt à laisser sa vie. Na hakuacha, aliacha maisha yake. Parce qu'il avait le témoignage de Dieu. Kwa sababu alikuwa na ushuhuda wa Mungu. Et était tellement confondu. Na walishangaa sana. Voyant l'homme qui avait été guéri. Kuona mtu ambaye amepona. Ils étaient sans mots. Na walikosa neno. Dans le témoignage des hommes. Kwa hivi shuhuda za wanadamu. Ce n'est pas Dieu qui t'apprécie. Ni watu ndio wanakupigia mikono. C'est aussi le moment où ils ne savent plus quoi dire. Ni pale sasa wanakosa cha kusema. Parce que la présence du Seigneur. Kwa sababu uwepo wa Bwana. La croissance et la lumière du Seigneur comme Samuel. Gisi kuna mwangaza wa Bwana. Vient mettre la confusion. Inakuja kuleta kuwachanganya. Vient les fermer la bouche. Inakuja kuwafunga vinywa. Hallelujah. Amen. Regardez cette église de Sardes. Tuangalie kanisa la Sardi. Il y a des Samuel là-bas. Kuna wa Samueli hapa. Parce que le Seigneur dit à cette église que je connais que tu as la réputation d'être vivant mais tu es mort. Anasema ninajua mambo kwamba wewe unajifanya kuwa lakini umekufa. Quand même qu'il y a des personnes. Na kuna watu qui se distinguent. Ambao wametofautishwa. Voilà pourquoi je vous ai dit. Ndio maana nikawaambia que ça ne peut pas dépendre des autres. Vous ne pouvez pas accuser les autres. Vous dites que c'est à cause des autres que vous ne grandissez pas. Ndio maana hawezi kuwashtaki wengine kwamba ni kwa ajili yao ndio maana haukomae. Si quelqu'un veut se souiller, je suis pas obligé de me souiller avec lui. Kama mtu anataka kujichafua, sina haja ya kujichafua na yeye. Quand on va mourir, on va pas nous enterrer dans le même cercueil. Kama watu watakufa, hatutazikwa ndani ya jeneza moja. Nous sommes tous dans Apocalypse chapitre 3. Tuko ndani ya Ufunuo sura ya 3. Lisons l'écriture. Tusome maandiko. Jésus qui dit à partir du verset 4. Kwanza mstari wa 4 pale. Cependant, tu as Assad quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Lakini unayo majina machache katika Sardi watu wasio tia mavazi yao uchafu. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Watatembea pamoja nami kwa mavazi meupe. Parce qu'ils en sont dignes. Kwa sababu wamestahili. Hallelujah. Amen. Donc vous voyez que même si les gens sont là, ils ne peuvent pas grandir. Tunaona hata kama watu wako pale hawataki kukoma. Comme je l'ai dit, moi quand j'ai cru, gisi nilisema nilipoamini. Il y avait des gens qui étaient là depuis. Kulikuwa watu walikuwa pale tu. Ils ne veulent pas aller de l'avant. Hawakuwa nataka kuendelea. Quand tu viens, wakati unakuja, ils veulent te décourager. Wanataka wakufunje moyo. Mais c'est ça, c'est le feu du jeune converti. Wanasema achana hii tu ni ujasiri ya mtu aliyeokoka kwanza. Et ça peut t'effrayer. Na kuogopesha kwanza. Et tu vois comme ils sont un peu paresseux. Na unaona gisi ni wavivu. Tu vois comme ils font un peu les choses avec négligence. Unaona kwanza gisi wana tu peux te dire, ah, mais comme ils sont depuis longtemps, ils se comportent comme ça. Peut-être c'est très dur. Hein? Peut-être il faut qu'ils copient ces mentalités. Bien aimé, il faut savoir pour qui tu as cru. Tu as cru au Seigneur, donc c'est pour lui que tu as cru. Uliamini Yesu, ni yeye ndiye ulimwamini. Afin que lui soit ton maître, ton Seigneur. Ili apate kuwa Bwana na Mwokozi wako. Et qu'il conduise tes pas. Na aongoze nyayo zako. Vous voyez que le fait qu'ils ont une réputation devant les hommes et que devant le Seigneur elle est mauvaise, il y a quand même là-bas hata des personnes différentes. Hata kama walikuwa na ushuda mbele za watu na walikuwa na shida na Mungu, lakini kulikuwa watu wa tofauti. Donc si tu comprends ce message de la croissance pour la maturité, kwa hivi ukielewa hii ujumbe ya kukoma, tu dois être une personne différente au milieu de l'église de Dieu de partout le monde, dans le monde entier. Utakuwa mtu wa tofauti hata katika kanisa la Mungu na dunia nzima. Tu ne peux pas justifier que parce qu'il y a des faux enseignements, des charlatans, des faux prophètes, des faux pasteurs. Alors c'est pour ça que moi je suis un chrétien feignant. Tu ne peux pas justifier parce qu'il y a beaucoup de faux serviteurs pour justifier le fait que tu es un chrétien feignant. Hawezi jipatia haki kwa sababu wengine wote wameshindwa wachungaji na wakristo wengine. Que tu es un chrétien paresseux. Kwamba unakuwa mchungaji mkristo mvivu. Que tu es un chrétien orgueilleux. Kwamba unakuwa mkristo mwenye kiburi. Qui t'empêche de vraiment grandir devant Dieu. Ambaye nakuzuia kukomaa mbele ya Mungu. On te donne des responsabilités alors que toi devant Dieu tu n'as pas grandi. Wanakupatia majukumu ingawa wewe mwenyewe. On dit que devant les hommes on a vu ils sont grands, ils connaissent la Torah, ils peuvent prendre des rôles.
wanachukua tu majukumu kwa sababu amejua torati wanachukua spiritualement ce sont des nains lakini kiroho ni wachanga ils n'ont jamais véritablement grandi hawajakoma vizuri alors qu'ils avaient le même père ingawa walikuwa na baba mmoja qui Eli ici va figurer va présenter la figure du Seigneur ambaye ni Eli anachukua picha ya Bwana Yesu et aussi la figure du responsable inakuwa pia picha ya wachungaji donc celui qui écoutait et qui se soumettait kwa hivyo kila aliyekuwa anasikia na kunyenyekea qui ne regardait pas ce que les autres faisaient même si qu'ils appliquaient ou pas ambaye hakuwa anafanya yale ambao wengine walikuwa wanafanya. Lui grandissait devant Dieu. Yeye alikuwa anakoma mbele ya Mungu. Mais ceux qui n'écoutaient pas. Lakini wale walisiosikia. Alors on voit qu'ils faisaient n'importe quoi. Walikuwa wanafanya vitu visivyofaa. Alors qu'ils avaient bien responsabilité. Ingawa unajua huko na majukumu yako. Donc le problème ce n'est pas les responsabilités dans l'assemblée. Kwa hivyo shida sio kazi ambayo uko nayo kwenye kundi. On veut donner tellement de responsabilités aux gens. Watu wanapenda kupeana makazi. Le problème c'est leur croissance. Lakini hawaangalii kukomaa yao. Est-ce qu'ils sont matures? Je wamekomaa. C'est pas parce que Dieu t'a donné la capacité de bien chanter. Sio kwa sababu Mungu amekupatia neema ya kuimba vizuri. Que forcément tu peux assumer cette charge. Ndio maana unaweza kuchukua ile kazi yote. Parce qu'il y a des fruits que tu dois encore travailler. Maana kuna matendo ambayo unafaa kwanza kutumika hako. Pourquoi tu ne deviens pas orgueilleux? Ili usiingie ndani ya kiburi. C'est pas parce que Dieu t'a donné la capacité d'enseigner. Sio kwa sababu Mungu amekupatia neema ya kufundisha. Même le don de prophétiser. Hata neema ya kutabiri. Que tu vas voir n'importe qui tu t'arrêtes en route tu vas prophétiser. Ndio unaweza kutana kila mtu barabarani anze mtabiria. Ou bien on voit en toi que tu as la capacité de pouvoir diriger. On voit des talents de pour diriger les choses. Ama pengine wanaona ndani mwako neema za kuongoza mambo. Qu'on va te prendre directement dans la direction. Na waanze kuchukua dakika moja kuweka ndani ya kazi. Tu vas te comporter comme les fils de Eli. Utajipata umeangukia ndani ya mtego kama watoto wa Eli. Quand on dit qu'ils allaient avec les femmes, ça veut pas dire que forcément c'est la femme que toi tu vas aller avec les femmes. Wakati wanaposema walikuwa na wanawake, sio kwamba tu na wewe utaenda na wanawake. Et que tu vas faire la fraude comme ils faisaient la fraude. Na unaweza kufanya ama utafanya wizi kama wao. Tu vas avoir un caractère, un comportement qui est incompatible avec l'œuvre du Seigneur. Utakuwa na tabia ambazo ziko kinyume na kazi ya Mungu. Et ta position va t'aider plutôt au lieu de faire ce que le Seigneur attend de toi, mais d'abuser des autres. Utakuwa ndani ya nafasi ambayo kuliko fanya mapenzi ya Mungu lakini unaanza kuwashtaki wengine. Voilà pourquoi pour faire l'œuvre du Seigneur. Ndio maana kufanya kazi ya Mungu. Il faut d'abord grandir devant lui. Inafaa kwanza kukomaa. Il faut pas se presser. Haisikuwe na haraka. Peu importe. Haijalishi. Les degrés de talent que tu manifestes. Mambo yote ambayo uko nayo ya makarama. La croissance devant le Seigneur. Kukomaa mbele za Mungu. Comme je dis te rend semblable à Jésus-Christ. Tunasema ya kwamba inakuleta kufanana na Yesu. Te rapproche du Seigneur. Kumkaribia Bwana pour porter ses fruits ili kuzaa matunda yake parce que les dons peuvent être un piège maana karama inaweza kuwa hatari kwako les dons peuvent être un piège karama inaweza kuwa mtego kwako donc Samuel n'était pas pressé Samuel hakukuwa na haraka il faisait son service devant le Seigneur tranquillement alikuwa anafanya kazi ya Mungu polepole tu mbele il ne courait pas hakuwa anakimbia il se contentait de grandir devant Dieu alikuwa anafurahia kwanza kukomaa mbele il ne voyait pas c'est pas parce que les responsables font n'importe quoi. Asio kwa sababu hata wachungaji wako nakosea. Les deux frères là. Na wale wa ndugu wawili. Comment ils veulent suivre? Akasema na mimi siwezi wafuata. Non, moi je sais ce que je veux. Moi je sais ce que je veux. Mimi najua kile ninataka. J'ai les yeux fixés sur le Seigneur. Niko na macho yangu namtazama Bwana. Comme l'Écriture nous dit. Gisi Biblia inasema. J'ai les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mwe na macho namtazama Bwana. Le chef et le consommateur de la foi. Yambaye ni kuhani, yambaye ni kichwa na anayelea imani yetu. Je ne suis pas là pour regarder ce que les autres font. Moi je dois progresser. Mimi nafaa kukomaa. Et j'utilise tous les armes que Dieu a mis à ma disposition. Na ninaweza kutumia silaha zote Mungu amenipatia. Pour progresser. Ili kuendelea. Hallelujah. Amen. Donc Samuel gardait la parole qu'il recevait de Eli. Kwa hivyo Samuel alibana alishika neno ambalo alipokea kutoka kwa Eli. Pendant que ses deux fils rejetaient. Wakati wengine walikuwa wanafanya mabaya. Pourtant ils avaient des responsabilités. Na wote walikuwa na kazi. Il devient difficile lorsqu'on a des responsabilités. Kuna shida wakati unakuwa na kazi. D'écouter encore certaines paroles. Na kusikia maneno fulani. Voilà pourquoi pour la responsabilité c'est principalement pour l'évêque. Na ndio maana kwa yule ambaye amechukua kazi ya uchungaji. On dit qu'il ne soit pas jeune converti parce que après ça c'est les dégâts. Biblia inasema sikuwe mchanga kiroho maana atafanya mambo mabaya. Et de façon générale. Na zaidi kwa wote. Pour assumer responsabilité. Na ili uweze kuchukua kazi. Il faut que tu grandisses, que tu sois mature pour gérer cela. Na ukomae na ukue na ukomavu katika. Sinon tu vas marcher sur les gens. Pasipo hiyo utatawala watu. Ton orgueil va t'emporter. Na kiburi kitakubeba. Voilà pourquoi vous dites que Jésus-Christ malgré ce qu'il connaissait, il était soumis. Ndio maana hata Yesu Kristo hata kama alikuwa anajua yote alikuwa mnyenyekevu. À son père, à sa mère. Kwa baba yake na mama yake. Et à tout le système de la loi. Na kwa sheria yote. Alors qu'il savait que les pharisiens étaient des impies. Ingawa wafarisayo walikuwa wachafu. Jusqu'au temps marqué par le père. Mpaka muda uliowekwa na baba. C'est-à-dire qu'il a 30 ans. Inamaanisha alikuwa na miaka 30. Comme je dis qu'il est la figure de la maturité. Tunasema gisi ni picha ya kukomaa. Comme on pouvait voir les lévites qui pouvaient être pris à 30 ans pour faire le service. Gisi walawi wanasema inafaa mtu akuwe na miaka 30 ili afanye kazi. Il y avait 25 ans et 30 ans. Kulikuwa miaka 25 na 30. À 25 ans, kwa miaka 25,
Leur travail, il n'y avait pas beaucoup de détails. Kazi yao haikuwa naweza kuchambuliwa. Bon, je ne vais pas beaucoup rentrer dedans. Mais à 30 ans, quand Dieu parle de 30 ans pour les Lévites, wakati Mungu anaongelea kuhusu miaka makumi tatu kwa Walawi, il donne certains détails. Alikuwa analeta kuchambua jambo. Donc il faut la maturité pour faire certaines choses. Kwa hivyo kuna kukomaa ili uweze kufanya jambo. Et comme je dis, pour ça, il faut grandir devant Dieu. Ndio maana nasema nafaa kukomaa mbele ya Mungu. Faut pas simplement se fier au don. Usiweze kufurahia tu karama. Inaweza kuwa pia mtego kwako. Pour les fruits. Inafaa matunda. Qui nous amène de plus en plus à ressembler à Jésus. Ambaye natuleta kufanana na Yesu. Hallelujah. Amen. Le verset 26. Tunasoma 26. On dit le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Bien-aimé dans le Seigneur. On a lu au verset 21 qu'il grandissait. Tulisoma pale kwa mwingine kwamba alikuwa anakomaa devant l'Éternel. Mbele za Bwana. Ici maintenant on dit qu'il continuait à grandir. Hapa wanasema akaendelea kukomaa. C'est pourquoi je vous ai dit que même lorsqu'on croit et qu'on a certaines connaissances ou bien on se dit qu'on est mature. Ndio maana tunasema ya kwamba hata kama umeendelea kukomaa hata kama kuna ufahamu fulani. Étant donné qu'on grandit pour être à l'image de Jésus-Christ. Kwa sababu tunahitaji kukomaa ili tumfanane Yesu. Et que Christ est le fils de Dieu. Na kwamba Kristo mwana wa Mungu. Qu'il est Dieu éternel. Yeye ni Mungu wa milele. On ne peut pas cesser de grandir. Hatuwezi acha kukomaa. Il n'y a pas un moment où tu peux dire que tu ne grandis plus. Hakuna muda ambao naweza sema utakomaa tena. Ça veut dire que tu as la chute. Inamaanisha kwamba umeenda kwenye maanguko. Un moment que tu penses que tu ne grandis plus. Mtu ambaye hatakomaa tena. Tu tombes dans le piège de 1 Corinthiens 8. Unaangukia ndani ya mtego ya Wakorintho 10. Paul dit que nous savons que pour ce qui concerne des idoles, nous savons que nous avons de la connaissance. Kuhusu mambo ya sanamu tunajua tuko na ufahamu. Mais la connaissance enfle. Lakini ufahamu unaletaka kiburi. La connaissance peut commencer à t'enfler. Ufahamu unaweza kukuletea kiburi. Parce que au moment tu crois que j'ai arrêté, c'est fini, je ne grandis plus. Kwa sababu unaweza fikiria kwamba hapa sasa naacha sitaendelea. Ça c'est sur les choses physiques. Hii ni mambo ya kimwili. J'ai donné le parallèle. Mungu anakupatia kulinganisha. Avec les choses physiques. Pamoja na mambo ya kimwili. Mais ne représente pas exactement ce qui est spirituel. Lakini haiwakilishi na mambo yaliyo kiroho. Tu dois continuer à grandir. Unafaa kuendelea kukomaa. Et quand tu continues à grandir devant le Seigneur. Unapoendelea kukomaa mbele za Bwana. Ouais, c'est qu'on a dit tout à l'heure. Na ndio maana tumesoma hapa. Tu es agréable devant le Seigneur. Utakuwa mbele za Bwana. Et tu es agréable aux hommes. Na utakubalika pia mbele za watu. Donc même les hommes qui te détestent. Hata watu wanakuchunguza. Même tes collègues qui ne te supportent pas. Wanajua kwamba hawawezi kuelewa. Tu vas être agréable. Lakini utakubalika. Parce que tes fruits bien aimés dans le Seigneur. Kwa sababu matunda wapendwa. Vont faire la différence. Alléluia. Matunda yako italeta kutofautisha. Alléluia. Amen. Parce que le caractère à manifester. Maana tabia utakayoonesha. L'attitude que tu vas produire. Mambo ambayo utaanza kuonesha. Dans ce que tu fais. Yale unayofanya. Parce que tu grandis toujours. Kwa sababu unakomaa tu. Et que tu es connecté à ton père. Na kwamba umehusiana na Mungu wako. Va faire toute la différence. Alléluia. Utakuwa na utofauti mkubwa sana. Donc voilà donc. Ndio maana matunda hayo. Regardez Romains chapitre 14. Asante ro, tunasoma Warumi sura ya 14. Warumi sura ya 14. Romains chapitre 14. Tunasoma Warumi 14. Alors, on va lire Romains chapitre 14. Il dit ceci. Inasema hivi. À partir du verset 17. Kuanzia mstari wa 17. Car le royaume de Dieu. Kwa maana ufalme wa Mungu. C'est non pas le manger ni le boire. Sio kula na kunywa. Mais la justice. Lakini haki. La paix. Amani. Et la joie. Na furaha. Par le Saint-Esprit. Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Par le Saint-Esprit. Et vous êtes d'accord avec moi que notre marche pour la statue parfaite de Christ, pour ressembler à Christ, c'est par le Saint-Esprit. Et comme on a dit, il faut la parole. Et aussi la foi, on est tous d'accord là-dessus. On dit que voilà ce que ça produit. Inasema hapa inazaa nini? Lorsqu'on est attaché à cela, wakati unaunganishwa na hayo, la paix. Kuna amani, la joie, furaha, la justice, haki, par le Saint-Esprit. Ya roho, et on dit au verset 18, na kwa msara 18, celui qui sert Christ de cette manière anayemtumikia Mungu kwa namna hii, est agréable à Dieu, anafurahishwa na Mungu, et approuvé des hommes. Na anafurahishwa na wanadamu. Ça ne veut pas dire que les hommes vont commencer à te considérer comme un vrai chrétien, comme quelqu'un qui est normal. Sio kwamba watu wataanza kuona kama huna akili. Ils vont toujours te rejeter concernant l'évangile. Mara mingi watakutupa tu kuhusu mambo ya injili. Mais ils vont approuver tes voies. Lakini watachunguza njia zako. Que la voie que tu as pris là mon frère. Ya kwamba ile njia ambayo umechukua ndugu. C'est une bonne voie. Njia yenyewe sawa ya maana. Mais lui-même ne veut pas rentrer
dedans. Vous voyez Daniel. Daniel. Le roi ne s'est pas converti. Hein. Le roi reconnaît que le Dieu de Daniel, c'est un grand Dieu. Mais il a toujours ses dieux. Pharaon reconnaît que Joseph a la sagesse de Dieu. Pharaon alikuwa anajua Yusuf ana hekima ya Mungu. A l'esprit de Dieu. Alikuwa anajua kuna roho ya Mungu. Samuel, donc Joseph est approuvé par Pharaon. Yusuf alikuwa ameangalia kuna Pharaon. Mais Pharaon aussi c'est Dieu. Mais Pharaon aussi c'est Dieu. Lakini Pharaon alikuwa na miungu zake. Donc approuver des hommes là. Kwa hivyo kukubaliwa na wanadamu. Ce n'est pas que tu acceptes en tant qu'enfant de Dieu en réalité. Sio kwamba wanakufurahia kuwa tu mtoto wa Mungu. C'est que les vertus de l'esprit qui vont sortir au travers de toi quand tu sers le Seigneur. Lakini ile wema ya Roho Mtakatifu itakayotoka ndani yako na kukutumikia. Vont les confondre. Itawachanganya. Vont les mettre d'accord. Itawafanya kukubaliana na wewe. C'est là où tu montres vraiment que tu as mûri. Na pale ndio utaonesha kwamba kweli umekuwa. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Donc Samuel n'a pas cessé de continuer à grandir. Oui, Samuel a kuacha kukoma. Donc je vais vous raconter encore une autre histoire. Kuna storia moja hivi. Il faut que tu gardes le temps parce que le temps là passe vite. Ok, je vais bientôt m'arrêter. Na karibia kumaliza. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Kuna mambo mengi tunaweza kuyazungumza. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, on comprend bien le condensé. Ya kwamba tunaelewa. Je vais raconter une histoire. J'avais rencontré un frère bien-aimé comme ça qui était dans la foi depuis bien longtemps avant moi. Et il servait aussi le Seigneur. Il a beaucoup de dons ce frère. Pétri de dons. Jeune converti que j'étais, les petites responsabilités que j'avais, je m'attelais à les faire. Et comme j'étais quand même assez zélé, parce qu'un jeune converti là, les zélés, alors en fréquentant ce frère, mais j'étais étonné qu'il ne lisait pas beaucoup la Bible. Je lui demande que mes frères, mais tu ne lis pas la Bible pourquoi? Il me dit, frère, quand je regarde la Bible, j'ai l'impression que je n'apprends plus rien. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais voilà quelqu'un qui dit qu'il n'apprend plus rien dans la Bible. Et j'étais choqué. Je lui demande aussi, frère, même ici, je vois que tu ne pries pas beaucoup. Il dit, frère, je vais encore demandé quoi Dieu, j'ai tellement fait les moments de prière. J'ai dit hi. Quelqu'un qui a fait peut-être plus de 10 ans qu'il est dans la foi. Moi j'avais seulement 3 ans. Je peux dire quoi un gars comme ça qui est assis dans ce qu'il dit. Donc moi je regardais seulement. Et comme en ce moment il voulait que lui et moi on prie beaucoup. Et plus on priait, plus Dieu permettait qu'il retrouve sa vie de prière. Et quand on partageait la parole de Dieu, il était étonné. Akaanza kushanga. Parce qu'il avait retrouvé cette vie de prière. Na gisi alivyopata maisha yake ya maombi. Parce qu'il avait rétrogradé en réalité. Maana alikuwa ameshaka acha kabisa. Mais sauf comme l'orgueil s'est installé. Na kwa sababu kiburi lishaingia. Il me tapait sa poitrine. Alikuwa anajipiga kifua. En me montrant comment il a fait les choses. Kwa kunionyesha kwamba ashafanya mambo. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup de dons ce frère. Kweli alikuwa na karama nyingi. Alikuwa na karama sana na ujasiri. Il chante, il s'est enseigné, il sait jouer les instruments, il fait tellement de choses. Yani alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Interpréter en anglais, français. Alikuwa anafanya. Il est pétri de dons. Alikuwa anafanya yote. Mais il ne grandissait plus devant Dieu. Lakini zaidi hakuwa na koma mbele ya Mungu. Comme Samuel qui grandissait tous les jours. Kama Samuel alikuwa na koma kila siku. Parce qu'il avait laissé ces premiers éléments que je vous ai dit. Gisi aliacha neno kitu ambacho nilisema kwamba qui est de chercher toujours le Seigneur. Kwamba ni kutafuta kwanza Mungu. Où je vous ai dit qu'on apprend toujours. Tunasema tuko sisi wote wa wanafunzi. Donc on dit toujours. Sisi tunasoma même sana. Si on arrive à un moment où on a une certaine maturité pour prendre des responsabilités. Hata kama unaweza fikia nafasi ambayo umekuwa na majukumu. On apprend toujours. Unaweza kusikia na kuendelea. Et puis commence à me dire, ah frère. Akaanza kuniambia ndugu. Mais comment tu fais pour comprendre ces versets? Moi j'étais choqué. Unafanya ili kuelewa mashairi haya. Dis frère. Kasema ndugu. Moi je lis seulement et puis voilà. Je suis étonné de ce que tu dis. Nasoma, lakini sasa nashangaa kwa yale unayosema. Il me dit que même j'ai l'impression que je n'ai jamais lu ce verset. Akasema ni kama hata sijawahi soma hiyo neno. Je dis que c'est effectivement ça le problème. Nikasema hiyo ndio shida kwa. Quand tu cesses de grandir. Wakati unaacha kukomaa. Et que l'orgueil gagne ton cœur. Na kiburi kinashinda roho yako. Tu te bases maintenant sur tes exploits passés. Unaanza kuchunguza vyenye ushakafanya zamani. Voilà pourquoi vous devez voir des serviteurs de Dieu. Ndio maana unaona watumishi wa Mungu. Ils parlent toujours de ses exploits passés. Wanasema tu makazi zao za zamani. Il y a un problème dans sa marche. Pale kuna shida ndani ya il ne grandit plus. Hakomai tena. C'est
ton Dieu est toujours au passé. Mungu wake ni ule wa zamani tu. Alors que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Inga bila nasema Yesu Kristo ni ule ule jana leo na hata milele. Il ne parle pas de son Jésus d'aujourd'hui. Aseme na Yesu wa leo tena. Il parle toujours de son Jésus d'hier. Anasema tu Yesu wa jana. Tu vois les chrétiens c'est pareil. Ndio naona wa Kristo leo hivyo hivyo. Ah, quand je venais de me convertir. Basa mimi nilikuwa kanaokoka. J'ai prié beaucoup. Nilikuwa kanaomba sana. J'ai jeûné beaucoup. Nilikuwa nafunga sana. Il parle toujours au passé. Anasema tu vya jana vya zamani. Tu comprends que présentement. Unaelewa kwamba leo yake. Ça ne va pas du tout dans sa vie. Hana ushuda ya leo. Sinon il dirait. Yeye angesema. Oh, j'aime prier le Seigneur. Angesema ninafurahia kuomba. Parce que quand je prie. Kwaana nikiomba. Je sens que le Seigneur me transforme. Nisikia kwamba Mungu ananibadilisha. Je sens qu'il me donne la paix. Ananipaga amani kiomba. Quand je lis la parole de Dieu. Nisoma neno. Tu vois que Dieu m'apprend quelque chose. Unaona kama Mungu akinifunza jambo. Mais comme il a arrêté de grandir. Lakini kwa sababu aliacha kukomaa. Il parle lui au passé. Anaanza kuongelea mambo ya zamani. Que ce ne soit plus ton cas au nom de Jésus. Isikuwe hali yako kwa jina la Yesu. Que tu ne parles plus de Dieu au passé au nom de Jésus. Usikuwe nasema ya jana kwa jina la Yesu. Que tu grandisses tous les jours pour la gloire de Dieu. Ukomae kila siku kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kale kitu dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Maana neno linasema kwamba tumebadilishwa utukufu zaidi ya utukufu. À son image. Kwa ajili ya kwa kumfanana yeye. Hallelujah. Amen. Je finis un dernier passage. Nasoma tu neno la mwisho. Oh, le temps passe tellement vite. Après je vais laisser les questions reprendre environ 20 minutes si on me permet. Okay. Nikiruhusiwa nitaachiwa hiyo nafasi. On va lire 2 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Oh, merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. On va lire 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. Regardez ce que Pierre dit. Tuangalie ambayo Petro anasema hapa. On va lire 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. On va lire à partir de verset 17. Pale mstari wa 17. Vous donc bien-aimés qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mm. Basi wapenzi, kwa kuwa mmejua hayo, jihadharini msije mkapotoshwa na kosa la hao hawa wahalifu, mkaanguka na kuacha udhabiti wenu. Nous sommes prévenus par le Seigneur. Bwana anatuonya hivi. Nous sommes devons toujours être sur nos gardes. Kwamba tukeshi. Parce qu'on dit qu'il y a l'égarement dehors. Mana kuna kuacha. Il y a des impies. Kuna wachafu kwinje. Les deux fils de Samuel. Kama watoto wawili wa Samuel. Notamment les deux fils d'Eli. Kama watoto wawili wa Eli. Ils sont toujours autour de nous. Walikuwa wako tu karibu na sisi. Parce qu'au-delà de ça, livrer le blé marche ensemble. Mana magugu na ngano zinatembea pamoja. Au-delà de ça, on peut avoir des frères qui sont là, mais ils s'amusent. Mbali na hayo, kunaweza kuwa wandugu ambao ni walevi. Pour nous conduire à l'erreur. Wanaweza kufanya mambo kutupeleka mabaya. Vraiment, ils connaissent déjà tout. Ili kutueleza kwamba wanajua yote. Ils n'apprennent plus rien du Seigneur. Wao hawana haja ya kujua chochote kwa Bwana. Une fois qu'il nous dit de nous tenir sur nos gardes. Na ndio maana anasema pinafaa ku et de faire attention à ces personnes. Na kuwa na angalisho kwa hao. Il ne s'arrête pas là. Na hakuacha hapo. Il donne la solution qui va vraiment résoudre. Analeta suluhisho ambayo inafaa. De garder cette fermeté. Ya kwamba muzingatie udhabiti huo. Et d'être toujours sur nos gardes. Na kuwa na makesha. Afin de ne pas arriver un moment. Ili sifike muda. Et dit que nous connaissons déjà assez. Ya kusema tumekuwa na yote. Que nous sommes déjà assez grands. Kwamba tumekomaa. Et qu'on arrête de grandir devant Dieu. Na tukaacha kukomaa mbele ya Mungu. Et tombe dans le piège de l'impie. Na mtu anaangukia ndani ya mtego. Dans les pièges du diable. Non, 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 et quelle est cette réponse? Et quelle est cette réponse? Verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Lakini mkomae katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Amen. Hallelujah. Amen. Je n'ai pas entendu les amen là. Alléluia. Amen. Il dit pour demeurer ferme bien aimé dans le Seigneur. Anasema ili kubaki dhabiti mbele ya Bwana. Pour garder cette fermeté ili, toi et moi. Ili kuweza kushika sana hiyo msimamo. Ce n'est pas que je connais déjà tout. Sio kwa sababu nimejua yote. On t'exhorte toi et moi à croître. Wanakuonya mimi na wewe kukomaa. Dans la grâce. Katika neema. Donc dans la grâce on continue à grandir. Kwa hiyo ndani ya neema mtu anaendelea kukomaa. Dans la connaissance Jésus-Christ on continue à grandir. Ndani ya kumjua Yesu tunaendelea kukomaa. Le fait qu'on dit qu'on connaît Jésus-Christ. Hata kama tunasema tunamjua Yesu. Ça ne veut pas dire qu'on a une connaissance
absolu de lui. Dieu nous révèle, peuple de Dieu, qu'on doit continuer à grandir en lui. Parce que lui, il est Dieu de toute éternité. Et il est toujours là pour nous transformer de gloire en gloire. C'est là où on garde notre fermeté. On n'arrive pas, moi, on dit que non, vraiment, qu'on est déjà tout, on est assez mature, on a tout compris. Voilà pourquoi je vous ai dit, la lecture de la parole, c'est pour chercher Jésus-Christ. Parce que pour demeurer ferme, il faut croître dans sa connaissance. Et tous les éléments qu'ils nous ont donnés, tous les dons qu'ils vont manifester, vont nous permettre de garder les fruits qu'on a lus dans Romains 14. Et on va continuer à grandir devant l'Éternel, et même grandir devant les hommes, approuver des hommes, mais surtout approuver du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Je vais laisser la parole s'il y a des questions-réponses. Si on me permet, bien évidemment. Naomba nikiruhusiwa kama kuna swali. Je laisse le maître de cérémonie gérer. Kuna swali. Alors, moi, comme ça, ma fondue, je vais t'endeler à vendredi. On a commencé à tout question, moi, Karibu Sana. Comme ça, vendredi, les questions, que déjà où il y a indiqué, on est dans un protocole avec papa, on a y déposé déjà. Ok, merci. Ok. Quand vous avez suivi les enseignements, on nous a parlé de la croissance spirituelle. Wakati tumesikia neno hili nimesikia kitoelesha kuhusu kukomaa kiroho. On nous a dit de d'abord naître de nouveau. Tumeambiwa kwamba lazima mtu azaliwe mara ya pili. Demeure dans la parole de Dieu. Kudumu ndani ya neno la Mungu. Pratiquer la parole. Kulitimiza. Mm-hmm. Alors, kwa hiyo, on avait aussi donné un défi. Wameonesha jambo kwamba de la crise de croissance chez les chrétiens actuels. Ukosefu wa kukomaa kwa Wakristo wa leo. Dont le manque d'enseignement. Yani kukosa mafundisho. Alors, nous vivons actuellement une période où nous avons plusieurs églises locales. Leo tunaishi mambo ambayo tuna makanisa mengi ya nafasi. Et divers enseignements contradictoires. Na tuna mafundisho mengi ambayo yanakuwa tofauti sana. Alors, cher orateur. Kwa hivi mhubiri. Quels sont les critères pouvant témoigner un enseignement qui presse la doctrine chrétienne? La vraie doctrine chrétienne, surtout, je veux dire ceci, quels sont les traits, les signes qui peuvent témoigner qu'une doctrine vient de Dieu? Ni kwa alama gani mtu atajua kwamba mafundisho ni ya Mungu kweli kweli? Alors, une autre question, c'est une question qui est parallèle. Est-ce qu'une église corps de Christ peut avoir aussi d'autres livres à part la Bible servant comme complément de la Bible? Je, mwili wa Kristo kanisa inaweza kuwa na vitabu zingine tofauti na Biblia ili kuweza kuliletea kukomaa? À ce basant, à Jean chapitre 21 verset 5. Tukiweka sana mstari juu ya kitabu cha Yohana wa kwanza sura. Parce que les différentes églises locales qui ont des livres à part la Bible. Kuna makanisa mengi iko na vitabu bali na Biblia. C'est basé à ce verset qui dit que le monde ne peut contenir tous les livres qui parlent des détails de Dieu. Maana anasema Biblia kuna vitu Yesu alifanya ambavyo hata zingeandikwa kwenye Biblia hakungekuwa kabisa kuichambua. Amen. 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 Ça c'est une très bonne question. Je crois que c'est la seule question qu'on a dit qu'il pose, non? Oui. Mais je crois que c'est une question qui va beaucoup nous aider. Lakini swali nzuri. Je vais commencer par la fin. Nitaanzia kwa ile ya mwisho. Je crois que la question qu'il disait c'est que est-ce qu'un chrétien peut avoir au-delà de la Bible d'autres livres? Alisema je mkristo anaweza kuwa na vitabu zingine za kumsaidia mbali na Biblia tena? La réponse est oui. Ndio. Il faut bien comprendre. Inafaa kuelewa lakini. Lorsque Paul nous écrit les lettres, wakati Paul anaandika barua zake, moi je suis en train de te parler. Mimi niko na kuelezea. Mais quand je te parle, wakati napo kuelezea hivi, je ne te répète pas mot pour mot ce qui est écrit. Siseme yote ambayo iliandikwa hapo. J'utilise mes mots. Ninatumia maneno yangu. Tu sais pourquoi? Kwa nini nasema hivyo? Je vais te donner une réponse à 2 Corinthiens chapitre 3. Nataka nikupatie jibu ndani ya Wakorintho wa pili sura 3. Parce que nous sommes la lettre de Christ. Maana sisi ni barua ya Kristo. Lu
et connu des hommes. En réalité, c'est nous qui sommes la Bible du Seigneur, la parole de Dieu que le monde voit. Dans sa mise en pratique. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci, à partir du verset 2. Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoiandaa iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Amen. Donc toi et moi nous sommes des livres. Mimi na wewe ni vitabu. Donc quand je parle en réalité, là je parle prophétique hein. Wakati naposema ukweli hapo naongea kama quand il te parle, en réalité, je suis un livre qui te parle. Mais un livre vivant. Qui vit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi toi, tu peux saisir les choses de Dieu que j'ai dit. Parce que moi, en tant que livre, je m'appuie sur ça. Les livres qui sont à côté deviennent dangereuses. Si ça ne te ramène pas à la parole. Donc, le problème des livres n'est pas un problème. Regarde, Actes chapitre 17. Lorsque Paul va parler aux Stoïciens et aux Phéniciens, il va citer leurs livres comme une référence lorsqu'il les parle. C'est parce qu'il connaissait ses livres. C'est parce qu'il était instruit. Il va même dire à Timothée, apporte-moi les livres ici, les rouleaux. Donc avoir des livres à côté n'est pas un problème. Mais c'est l'intention des livres qui est un problème. Si le livre vient maintenant remplacer la Bible, tu n'as plus le temps de lire la Bible. Il y a un problème. C'est pourquoi j'ai dit, ça va, répondre à ça va résoudre peut-être la première question. Donc, tu dois savoir qu'on peut, on peut t'apporter des livres. Comme j'ai dit, nous sommes des Bibles. Hein. Nous sommes des livres, en fait. Vivant par le Seigneur. Et maintenant, on peut avoir des livres même ou dans lesquels on est éclairé. Parce que Dieu a inspiré quelqu'un et puis il va donner quelque chose, ça peut nous faire du bien. Au fait, on doit être instruit en tant qu'enfant de Dieu. Ça peut contribuer à notre marche. Et ça va contribuer à notre marche si ils sont inspirés du Saint-Esprit et s'ils ne viennent pas remplacer l'écriture, la Bible. Donc comme tu dis que même Paul lisait des livres et il parlait d'autres livres. Alors que ce n'était même pas des livres qui avaient un rapport avec les écritures directes que tu vois ici là, dans la Torah, les prophètes et les épîtres que tu as aujourd'hui. Alors, si nous lisons Actes chapitre 17, alors on lit à partir du verset 28. Il dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par là et l'imagination des hommes. Tu vois que Paul était tellement instruit qu'il avait les rouleaux qu'on connaît de la Torah et des prophètes. Mais il lisait beaucoup d'autres livres. Et c'est comme ça que le Seigneur l'utilisait, que quand il est parmi les païens, il puisse facilement leur faire le passage entre ce qu'ils connaissent de leurs prophètes, de leurs sages, et ce qui est lié à la parole de Dieu. Mais attention, Paul avait l'onction et la capacité de le faire.
neema ama kibali cha kufanya hiyo yote. Voilà pourquoi je vous ai dit que le petit enfant commence déjà par la parole, il s'assure déjà qu'il comprend certaines choses et il ne se presse pas. Ndio maana nasema mtoto mdogo lazima anze kwanza na neno la Mungu asikue na haraka. Ça répond à ta première question qui dit mais il y a beaucoup de doctrine. Inajibu swali la kwanza kwamba kuna mafundisho mengi. Alors, il y a beaucoup de doctrine, ça c'est sûr. Ndio kuna mafundisho mengi. La secte dont tu déjà comme tu dis, tu vas d'abord regarder la parole de Dieu. Lakini mafundisho ya kwanza ni neno la Mungu kwanza. Et il y a des doctrines kuna ma doctrine zingine qui sont dues aussi à des positions ambayo inatokana pia na nafasi sur des sujets difficiles kulingana na mambo ambayo ni magumu. C'est aussi quelque chose par rapport à la maturité, on n'a pas l'occasion de partager ça ce soir. Hiyo hatujaiongelea leo. Quand on commence à grandir ambayo inasaidia mtu kukomaa. 2 Pierre 3 qu'on a lu l'a dit qu'il y a des sujets difficiles dont on parle. Petro alisema kuna mambo ambayo ni magumu ambayo hayawezi kuongea. Donc un enfant de Dieu qui vient, il y a des sujets difficiles qu'il ne connaît pas. Mtoto wa Mungu hawezi kuja kuongea mambo ambayo hajui. Un serviteur de Dieu aussi grandit, il voit qu'il y a des sujets difficiles. Na mtumishi wa Mungu akikomaa anaanza angalia na mambo ni magumu. Ou ce sera difficile qu'ils s'entendent sur certains sujets. Ambayo anajipata kuwa ni vigumu kuelewa mambo fulani. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la saine doctrine. Sio kwamba hajakuwa na mafundisho ya kweli. Aussi longtemps que c'est fondé dans la parole. Kama amewekwa ndani ya neno. Selon l'esprit. Kulingana na roho. Donc tu peux avoir des divergences sur certaines choses. Mais c'est parce que c'est des sujets difficiles. Na kwa sababu ni mambo magumu. Donc ça ne doit pas créer des problèmes entre les chrétiens. Lakini haitaleta shida kati ya Wakristo. Il faut simplement que les responsables inafaa tu mchungaji aide aussi la, comme je dis, l'élévation dans la maturité. Aweze kusaidia juu ya kukomaa katika. Comme Paul. Kama Paulo. Qui disait dans 1 Corinthiens 3. Ndani ya Wakorintho 3 qui est Paul. Nani ndiye Paulo? Qui est Apollos? Nani ndiye Apollo? Qui est Pierre? Nani ndiye Petro? Parce que les gens se cognaient les têtes. Maana watu walikuwa wanapigana kichwa kabisa. Par rapport aux enseignements. Kuhusu mambo ya mafundisho yao. Donc Paul, par la grâce de l'apostolat qu'il avait reçu. Kwa hivyo Paulo katika neema ya utume aliyokuwa nayo. Il pouvait recadrer ce qui est correct. Alikuwa analeta taratibu kwa mambo yaliyo sawa. Sachant que c'est point difficile. Ndani ya kujua mambo magumu. Dieu pourrait permettre à ces chrétiens une fois qu'ils ont grandi. Mungu anaweza ruhusu wakikomaa watoto wake. De savoir respecter certaines choses et savoir comprendre certaines choses. Na kuweza kuyaheshimu mambo fulani na kuya. Ça ne veut pas créer le trouble chez eux. Haingeweza kuleta shida kati yao. Ça crée le trouble chez les Corinthiens. Ileta shida kwa Wakorintho. Parce qu'ils étaient pressés de grandir. Kwa sababu walikuwa na haraka ya kukomaa. Donc oui, on doit grandir par les enseignements qu'on a reçus. Ndio tunaweza kukomaa ndani ya mafundisho tunayopewa. Parce qu'on reçoit aussi. Kwa sababu pia tunapewa. On doit d'abord grandir parce qu'on est connecté à Dieu. Lakini tunakomaa kwa sababu tumeunganishwa na Mungu. Sinon, pasipo hiyo, on va passer le temps des bébés. Unaweza endelea kuwa mchanga. C'est pourquoi je donne une portion que je donne aujourd'hui. Ndio maana peana sehemu leo nayo. J'ai dit par exemple qu'il faut lire la Bible tout le temps. Kwa mfano jinsi nimesema soma Biblia kila wakati. C'est la Bible qui le dit, non? Ni Biblia ndio nasema. Je l'ai répété. Nimeisema tena. C'est important pour quelqu'un qui ne le faisait pas. Ni maana kwa mtu aliyekuwa haifanyaki. Mais si je pars. Lakini nikienda. Je rentre. Nikirudi. Il ne me voit plus. Hanioni tena. Et qui ne lit pas sa Bible. Na kama asome Biblia. C'est que je n'ai commencement n'aurait servi à rien. Maana itakuwa pale mafundisho yangu haimsaidii kwa kitu. Le but donc de la croissance. Kwa hivyo lengo la kukomaa. C'est le conduire le chrétien à la maturité. Ni kupeleka wa Kristo kwa ukomavu. Avoir cette intimité avec le Seigneur. Ili wapate kuwa na ushirika na Bwana. C'est là où il peut discerner. Na pale ndio anaweza kuchunguza. Des fausses doctrines et des vraies doctrines. Kujua mafundisho mabaya na mazuri. Et les doctrines qui peuvent être divergentes. Na mafundisho ambayo yanaweza kuchanganyikiwa. Mais qui sont plutôt dans le cas des sujets difficiles. Lakini mafundisho ambayo yanaweza kukua ndani ya mambo magumu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Mungu abariki sana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Barikiwe taifa la Mungu. Amen.